Messieurs, vous avez émergé par l'arrière du manoir, dans la cour. La nuit est noire. Vous êtes presque en file indienne avec l'intendant Bragg et vous entendez retentisser dans la nuit le hurlement d'Eden, qui n'est pas un hurlement comme vous avez pu entendre dans les plaines sauvages, mais un hurlement, un appel à l'aide, entre peut-être les murmures de Bado de Noctambule. Tour de table, Cranleck. Donc Eliren nous a décrit où est Eden normalement. Elle est où à peu près sur la carte? Où est le boucher? La boucherie. Lady Wadi. Derrière la boucherie. Là, c'est ça la boucherie? Oui. Ok. Est-ce que ce sont des gardes qui sont à l'extérieur ou c'est juste des passants là qui pourraient passer? Oui. Là. Ce sont des badauds. C'est des clodos. C'est okay, la nuit, de toute façon, on peut y aller. On passe, oui. Bon, il n'y a pas de temps à perdre, il faut absolument aller sauver Eden. Et je commence à emboîter le pas et même si je suis mal en point... Courir. C'est toi qui as la meilleure vision en plus, non? Enfin, qui peut voir dans le noir et tout. Après, non, que ce soit la nuit non. Plus. Hein. Oui. Non, je le retiens, je l'attrape par l'épaule. Attends, justement, pas de précipitation. On y va casual. On a vraiment pas de temps à perdre. Je sais, mais on y va casual. On peut se rater un peu. Comme si on avait toujours été là. Ne cours pas, c'est le meilleur moyen de te faire remarquer. On avance. Je peux générer une brume épaisse qui pourra bloquer. Non, je pense que si d'un seul coup dans la ville il y a une brume, ça ferait que rendre les choses les plus suspectes. C'est le mois de juillet, ça arrive. Courir, générer une brume épaisse, c'est pas la peine. Il fait nuit, les mecs sont bourrés, ils sont dans la ville, ils font pas chier. On avance tranquille, comme si on avait toujours été là. C'est parti. Donc, Cranleck, tu vas par là. Oui. T'entends quelques grognements. En avançant plutôt rapidement, donc limite en courant, tu attires l'attention des gens qui sont ici. Putain, qui je ne vous reconnaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne me reconnaissent pas. Et celui qui est là te dit Monsieur, qu'est-ce que tu fais quand il t'interpelle? Bonsoir, belle soirée. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Belle soirée pour une balade. Et donc, il. Rentrez chez vous. Il s'apprête à se retourner et à partir quand tu lui réponds, mais il remarque derrière Théo en armure de plate, Bob et Shin avec son arc et l'intendant Bragg. Il a une seconde pour percuter, puis il écarquille les yeux et il s'apprête à vous ne savez pas quoi. Hola, voyageur, hola, l'ami, hola, est-ce que désirez-vous de partager une bouteille de ce délicieux brandy avec moi durant cette soirée merveilleuse? Après tout, il faut fêter le retour de l'intendant, mais on gardait la surprise, n'est-ce pas? Mais grand je sourire. Pensais que l'intendant était parti en voyage d'affaires. Mais justement. On n'a pas été prévenu par son retour. Mais quoi. Justement, c'est parce qu'on prépare la surprise. Si vous voulez bien garder votre langue dans votre bouche un tout petit peu le temps de déguster cette délicieuse bouteille avec moi, je suis sûr qu'on pourra annoncer la bonne nouvelle à tout le monde dès que la fête sera prête. Je vous laisse déplacer vos tokens par là, messieurs. Ah, c'est bien joué. Moi, j'aurais mis un coup de poing à la bouche. Pour changer. Pardon, mais j'ai... On s'en doutait. Alors, du coup, Maillard, j'improvise, mais je m'approche de lui avec la bouteille qu'on avait récupérée parce qu'on en a une dans tu le tas. Très bien. Et du coup, pendant que les autres y vont, moi, je vais rester là et je vais picoler avec eux, quoi. C'est très bien. Attends, attendant. Bragg, qui a un petit sourire gêné, qui rebondit sur ton improvisation, qui est... Oui, une fête surprise. En effet. Faudrait le laisser avec eux aussi, l'intendant, comme ça. Ouais. Mais enfin, les embêtez pas le temps qu'on prépare tout ça. Goûtez-moi ça plutôt. Regardez ça. Un régal. Du coup, celui qui est là vient te voir. Il apporte une chopine. Ah. Celui qui était assis se lève. Te dire oui, mais c'est une nuit parfaite pour goûter votre alcool. Et ça, la fête nationale avec les feux d'artifice en plus. Mon dieu. Du coup, on a pas que des bouteilles vides. Et du coup, vous pouvez me mettre en grille parce que là, je suis... Je te déplace jusqu'ici, s'il te plaît, Grandleg. À ton approche, tu entends... Allez, petit,
Laisse-toi faire, tu feras une magnifique fourrure, allez. Arrêtez ce que vous faites tout de suite. Saute-tu dessus au ralenti. En criant Ethan. C'est mon chien, c'est mon loup. Ils sont deux à porter donc des tabliers entachés de sang avec des instruments relativement tranchants, coupants, perforants, tout ce qui finit par en. Et ils sont devant Eden qui est blessé, le sol qui est imbibé de son sang. Et il n'a pas été, Eden n'a pas été plus soigné qu'il avait déjà été. Et elle recule, elle est dos. Elle est dos, elle grogne, elle a un peu de sang. Sur les babines, l'un des deux est blessé et fiévreux. Tu vas voir ce que tu vas voir, sale bestiole. Je me mets entre les deux. Avant d'intervenir, tu vas me faire un test, s'il te plaît, de mental. Mental plus quelque chose. Oui, pour voir si tu réussis à intervenir à temps. Fais-moi un test donc de mental plus rien du tout. Tu n'as pas de compétences adéquates. Je suis si tu as un bonus de focus, donc 75%. Remettez-vous en posture, dans votre posture de base, pour ceux qui ne l'avaient pas été. 32, c'est réussi. Bien 75. Joué. Donc tu interviens à ton initiative, tu arrives, tu t'interposes, et tu vois le boucher devant toi qui dit qu'est-ce que tu veux, petit homme? Nous venons de la part d'Eliren, il vous a été demandé de vous occuper de cette louve, cet ordre est modifié. Maintenant nous avons besoin de cette louve, donc vous allez cesser tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, et sinon quoi? Vous n'avez pas vraiment envie de savoir l'alternative. Vous allez me donner un demi-coup pour me menacer, c'est ça? Demi-homme? Voilà. Et moi bon, aussi, bah... là. Non, ah. laisse-le faire, c'est Grenley qui veut se le faire. Non, j'ai envie de lui rendre service, voilà, ce loup-là, il lui tient à cœur, donc... Je vais lui montrer que je frappe pas très fort en lui donnant un petit coup de poing avec mon bras métallique. D'accord, toi pendant ce temps-là, juste avant le conflit, tu génères Shin, donc de l'eau qui se cristallise immédiatement et qui vient se caler entre la corde et le bois de ton arc. Tu bandes ton arc après avoir encoché ta flèche de cristal et tu menaces l'un des deux protagonistes qui est ici. Pas Grenlec. Tu t'apprêtes à combattre. Fais-moi un test d'attaque. Alors, je vais faire un coup de poing, mais juste un coup de poing dans le ventre pour le faire un peu cracher ses poumons, pour lui faire comprendre que non, quand je frappe, c'est pas tout léger. Très bien. Donc, alors, physique plus pugil. Le sang. Plus focus. Physique 60 plus pugilat. 20, ça fait 80 plus focus, ça fait 85. 85. Allez, c'est parti. 62, c'est réussi. Bien joué. Messieurs, ça fait un peu trop de tests que vous réussissez depuis le début. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça déconcentre mon scénario. Encore une fois, c'est pour lui faire cracher ses poumons et puis pour lui dire « Bon, tu penses toujours que je frappe comme une fillette ?» Je vais faire, moi, un test pour savoir si il a réussi à bloquer le coup. Est-ce que le mec a des abdos? Est-ce qu'il a des abdos en platine? Parce que genre, il est en position défensive. Bah, il a une arme à la main, donc et tu t'apprêtes à l'attaquer. On va voir ce qu'il fait. Et tu lui assènes un coup. Il est surpris suffisamment pour recevoir le coup, mais pas assez pour tomber par terre et à la renverse. Donc il prend le coup, il a un OK, et il fait un pas en arrière. Mais ça va bien, non? On fait notre travail. Vous êtes mais fou. Je vous ai demandé de l'arrêter, vous m'avez un petit peu menacé. On se calme, doucement. Et très bien, contrôlez alors ce loup de malheur, faites quelque chose, il a blessé mon ami, prenez-le, allez l'emmener ailleurs, faites-en ce que vous voulez, mais emmenez-le hors de notre vue. S'il blesse qui que ce soit dans ce village, je vous promets, demi-homme ou pas demi-homme, maître pugiliste ou je ne sais quoi, vous allez finir au sol. Est-ce que bon, je me suis bien fait comprendre? Faites pas des promesses que vous pouvez pas tenir, mais en tout cas, ça m'arrange, donc c'est très très bien. On va vous débarrasser de cette louve, c'est pour ça qu'on était là. Donc je me retourne vers Eden, je pose ma main sur son museau, sur sa tête, pour la calmer. Quelle main? La main avec mon odeur, donc la main pas de métal. Je vais faire un test pour savoir si elle est choquée ou non. Eh bien, elle donne un coup de dent d'abord dans la main, étant donné qu'elle est sous le choc de son...
de sa captivité. Sa captivité. Vu que t'as quand même PV, tu me vois pas. Elle mordit, donc tu t'enlèves un PV, s'il te plaît, et tu meurs. J'en ai plus. C'est bon. Elle a pas du. Putain, quoi. Y a pas d'humour. Elle te mordit donc la main, donc ça t'arrache un rictus de douleur. Donc tu vois du sang couler sur ta main. C'est bon, ça va aller. Tu contrôles. Tu contrôles donc ta douleur, t'as une crispation, et juste après, elle finit par donner quelques coups de langue sur ta blessure superficielle. Vous avez une relation bizarre, les gars. Elle a soif de ton sang. Ouais, c'est chelou. Ah bah c'était. Et ses oreilles s'abaissent. Son poisson rouge. Messieurs. Et c'est la police à son travail. Et donc, son échine, elle baisse l'échine, elle courbe son échine et elle se blottit contre toi. Tu libères de sa chaîne, j'imagine. Et elle lâche un grognement soudain à l'adresse des deux bouchers. Qui, eux, surpris... J'essaye de la maintenir un petit peu et de lui dire on s'en va, on s'en va. Je suis pas convaincu qu'elle me comprenne vraiment jusque-là, mais je la maintiens pour qu'elle saute pas sur les deux Billy. Les deux Billy. Léo. Je fais rien, j'attends. Il y a pas de combat. Petite fille. S'il vous plaît. Enfin si, éventuellement, il n'y a pas une auberge ou un magasin de fourniture dans le village là, je demande non, de boucher. Non. Mais c'est la nuit, c'est la nuit de fermer. Bon, laisse tomber, je fais rien. Le truc, c'est que voilà, il faudrait récupérer Bob et l'intendant, mais voilà, on a le loup avec nous, donc voilà, pour éveiller des soupçons, il n'y a rien de tel. Je veux bien faire juste un truc, je veux juste regarder dans les arbres qui est à côté de nous, voir s'il y a des œufs d'araignée dedans. D'accord. Tu as fait moi un test, s'il te plaît, de perception. De nuit, il a un malus ou. Bah, s'il génère de la lumière, il n'a pas de malus. Ah, mais s'il génère de la lumière, ça fait suspect, les mecs. Ah c'est vrai, il n'a pas géré de... Bon, 22 dans tous les cas, mais avec malus ça passe. J'essaie d'être honnête. 22. Tu vérifies, il n'y a pas d'œufs d'araignée. Cependant, il y a quelques toiles d'araignée qui ne sont pas de taille normale. Que fais-tu? Ok. Bah rien. C'est tout. Bon. Ah, moi, moi je picole. Par contre, de temps en temps, je jette un ou deux regards circonspects parce que moi j'ai pas la vision nocturne, donc je sais pas si. Enfin, si je vois Théo briller au loin, mais il fait quoi ce con? Il va nous repérer le. Hey! Je continue de détourner l'attention de ces trois abrutis, de tout ce qui pourrait se passer de cette zone. En faisant. Il y a Brian qui te suit un peu dans ton improvisation. Il a quelques petits sourires crispés en disant oh, oui, c'est ça, une fête nationale. Et surtout, je fais semblant de boire. C'est-à-dire que j'ai fait semblant de boire, mais j'ai reversé 2-3 verres aux autres. Moi, j'ai toujours le verre à côté de ta tête, comme ça. Tu... C'est ça. Non, parce que voilà, je veux pas me beurrer. Je veux les pompétiser de manière à ce qu'ils fassent pas chier ou qu'ils regardent ailleurs. Mais j'attends surtout de voir quand est-ce que nos gugus vont revenir ou s'ils vont revenir ou à la commotion, quoi. Très bien. Tu vois, en c'est effet, mignon, que ça semble se passer de manière relativement paisible. Je dis relativement au vu de ce qui s'est passé sous le manoir tout à l'heure. Hop. Shin, j'imagine que tu décoches ta flèche. Et que... Ouais, si je la range au niveau de la ceinture ou quoi, si je peux la mettre de côté vu qu'elle peut tenir longtemps. Le truc, voilà, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça serait un peu délicat de repasser avec le loup devant les gardes. Donc, Ah bah si tu aimes. Il y a par ici, tu ne seras pas discret du tout. Donc... Bob a pu voir justement lui en se pompétisant qu'il y a ici un garde, comme vers le cheval qui est là en train de se repaître tranquillement. Et en voyant donc aussi là un autre garde. Mais vous, Shin, tu passes où tu veux. On a l'intendant Bragg avec et tout le monde pense que c'est encore lui qui est en charge. Donc ça veut dire que ouais, les gens sont encore fidèles à lui. Donc à partir de là, tu peux passer où tu veux et les Bragg. Sûr de ça. Non, mais c'est bon. Oui, non, mais vas-y, c'est bon. Franchement. Après, on ne sait pas quels sont les gardes corrompus ou non. Exactement. Mais bon, c'est un risque à prendre de toute façon. S'il y en a. Comme ça, on fera le tri, quoi. Ouais, mais ouais. Comme vous voulez, parce que je voulais monter sur le toit et juste faire un signe à Bob pour dire c'est bon, on a récupéré le paquet. Mais t'as pas besoin de monter sur le toit, tu peux venir me voir aussi. Ouais, tu te fais chier pour rien là, franchement. Ouais, bon.
Ok, bah je fais ça, je fais un signe à Bob. Enfin, j'essaie de faire des gestes pour dire c'est bon, on a récupéré le paquet. Enfin. Est-ce que je comprends les gestes qu'il fait? Je sais pas. Est-ce que je peux mimer un loup comme ça? Non, et après, je fais le truc du. du coup. Ah, mais tu sais, moi je vais le voir, je passe devant tout le monde et je dis à Bob, c'est bon, on a le loup, puis voilà. Ouais, mais... Ok, donc pendant ce temps-là, pendant Cashin qui. Voilà, qui fait des symboles un peu bizarres, il y a Théo qui lui va voir directement Bob et en effet qui vous indique qu'il est temps de partir. Ah, eh bien écoutez messieurs, ce fut un bon moment passé avec vous. Je te trouve très sympathique. Mais oui, très sympathique. D'ailleurs, vous pourriez me faire une faveur parce qu'il faut absolument que je reparte, hein. Vous savez, sinon c'est ma bergère qui va m'engueuler. On le sait tous. Est-ce que vous pouvez, regardez, de la part de l'intendant Brague, faire péter aussi un petit peu de ce délicieux breuvage au pauvre garde là-bas, il s'ennuie un petit peu, histoire qu'il puisse s'amuser lui aussi. Faudrait bien. Proposez-lui pendant que nous on y va, hein. Fais-moi un test, s'il te plaît, de social. Social, je suis à combien Psychologie 15% plus social 15%, ça fait 80. 80, bon bah écoute. 68, ça passe. C'est vrai que je suis pompette. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai, en plus j'étais en concentration, donc j'ai 85, mais ça, je suis pompette, 68, ça passe. Bien. Donc, tu le réussis à le convaincre par ta sympathie légendaire et. Il prend la bouteille, te remercie sympathiquement et il fait le tour. C'est lui précisément. L'objectif c'est que les trois en fait aillent voir le garde et lui fassent péter de la picole parce que c'est là où ça va picoler. Celui qui est assis va rester là, hein, parce qu'il est vieux, parce qu'il a envie d'admirer le ciel étoilé. Très bien. Parce qu'il a pas envie de faire tout ce que t'as envie de faire. Et par contre, les deux autres, ils le font. Ils disent qu'en effet, c'est difficile le travail de garde et que ça leur fait plaisir de partager ceci. Donc, ils vont le voir. Et au moment où il leur présente la bouteille, j'imagine que c'est ce moment-là que vous choisissez pour faire. Ouais, là, je fais le signe à Chine. Quoi? J'ai rien compris. On peut y aller? Les vrais signes, le mec. Les vrais strats, quoi. Vas-y. Et vous, faites quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire maintenant? Bah, du coup, on va escorter les autres pour qu'on se casse. Vite. Pas moyen de se reposer quelque part? On peut pas retourner dans la chambre de l'intendant et reprendre des forces? Plus loin, on se casse! Tu veux reprendre des forces dans la chambre de l'intendant avec le mec attaché sur le lit, t'as pété la tronche et les trois gonzesses baïonnées bourrées? Le mec, à la limite, je m'en fous, mais les gonzesses. Mais t'es paladin ou t'es Kratos? Je pense que. Dans cet univers, les paladins sont spéciaux. Ah, mais moi, ça empêche pas le respect. Moi, je suis complètement pour. Mais dans l'idée, non, il faut qu'on se casse. Surtout qu'Eden est en train de se vider son sang, il lui reste un PV. Alors, cassons-nous et puis basta. On se barre. De toute façon, avec la commotion et les gens qui regardent vers là, enfin, qui regardent dans cette direction et qui regardent le ciel étoilé à cause des feux d'artifice, on est bien. Il faut qu'on se tire. Très bien. Donc, vous prenez la route en direction de la Cité des Merveilles. Cependant, toi, Théo, tu te sens faiblard, notamment depuis ta tentative d'évasion qui a été soldée semi-échec à cause du venin qui court dans tes veines. Il a fallu que Bob revienne poser quelques soins et Brague lui-même dit qu'il a quelques compétences de médecine. Donc, au cours de votre voyage, vous organisez en direction de la Cité des Merveilles, il vient aider Bob pour apposer ses propres connaissances de soins. Par contre, si on pouvait bivouaquer dans un coin, vraiment le temps de se reposer un peu, au moins une journée ou une après-midi ou quelque chose, histoire de regagner, vraiment, parce que là, vraiment, on est au bout. On est à bout, hein. C'est la violence, les enfants. Je sais pas si vous rendez compte, mais on est mourant. Faut sortir au moins du bled, quoi. Ouais, carrément. Au moins ça. Vous avez quitté donc la région pendant quelques jours, un peu à pas accélérer, pour vous éloigner de cet endroit. Puis vous vous êtes ralenti pour trouver un endroit plutôt calme, un endroit qui vous inspirait plus confiance. Vous avez trouvé cet endroit au détour d'un chemin, avec de loin vous aviez perçu donc cette tour en ruine, voire là. Et vous avez récupéré un point de vie pendant ces quelques jours, même si vous n'avez pas pu vous poser pour vous restaurer, ces soins naturels. Cette guérison naturelle vous a fait grand bien. Vous pouvez même récupérer 2 points de psy. Cool.
Excellent. J'ai doublé mon pool de points de vie. Ouais. Vous avez fait quelque chose comme 3 jours de voyage, 2-3 jours. Quand Max, à ce moment-là, vous avez commencé à vous... à retomber de quelques degrés, à ce moment-là, vous avez commencé à vous rassurer les uns les autres sur la situation, étant donné que vous venez de fuir un emprisonnement, étant donné que vous venez de fuir le pire, notamment une dissection, alors que tu étais vivant. Et comment, comment va Eden ? Eden a eu quelques soins, mouillé, quoi. Comme n'importe quel membre du groupe en ce moment. Et Eden a récupéré un peu de PV, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Elle boite et elle est apeurée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours, avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. Théo, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, claquer ta mana et soigner un peu plus Grunlek? Je serais plus rassuré de savoir qu'on a deux tanks et deux capacités combatives dans le groupe qui soient à peu près en état de se battre, ne serait-ce que pour être sûr. De toute façon, je vois une vieille tour là-bas, je pense qu'on va devoir se poser parce qu'on a quelques questions et savoir... Oui, là, je suis, même avec les soins de Théo, je suis incapable de tanker quoi que ce soit. Mais justement, avec les soins de Théo, on va se reposer dans cette vieille tour et le temps qu'on s'y repose, il y aura moyen qu'il récupère ses points de psy. Donc autant les utiliser maintenant et optimiser les soins le plus possible. Si ça te dérange pas, Théo. Bah, un petit peu, mais bon, je vais le faire quand même. Non, mais tu vas les regagner, t'auras qu'à méditer 5 minutes dans la tour et on est bon. Tu te souviens de ce qu'on a fait dans les catacombes? Je dépense mes 2 points de psy pour soigner, faire un sort de soin sur Grunlek. C'est propre. Tu récupères 2 PV donc. Merci, Théo. Oh, je viens de quadrupler mon pool de points. Ça va vite, hein. Qui est en tête? Je vais passer devant. Ouais. D'accord, alors, Théo, s'il te plaît. Fais-moi un test de perception. C'est-à-dire physique ? Oui, physique. Plus concentration ? Ça me va. Ou pas ? Alors, ça fait 70. 58. Mais d'accord. C'est pas possible, hein ? On est en train de faire remonter tous les graphiques, là. Incroyable. C'est ça. Tu vas... Donc, tu ouvres la marche, Théo. Tu balayes ton regard à gauche, à droite, à gauche, puis à droite. Il y a quelque chose qui t'interpelle. Notamment au niveau de l'horizon. Tu as cru voir que la cime des arbres bougeait par des mouvements produits par le vent, et certains mouvements ne sont pas naturels, plutôt sont contraires au vent. Je dégaine mon épée, je dis attention, il y a un truc qui arrive peut-être. Alors, un truc, non. Plusieurs. Ah, est-ce que je peux observer moi plus attentivement? Énormément. Ah, ok. D'accord. Chine. En garde! Oui. Tu hurles à travers la vallée? Ouais, bah je gueule, je fais. Je gueule. Je dis. Quelqu'un te répond. Ta gueule! Chine, tu peux me tenter en effet un test de perception. D'accord. Chine, que vois-tu? J'ai plus 10. D'élémentaire. J'ai plus 10 lien nature, plus 5 de posture focus, donc ça fait 80. C'est ça? Vas-y. T'entends pas? Oui, c'est ça. Exactement. C'est peut-être la première foirade de la session. Ah, si tu fais un critique, si tu fais un critique, c'est-à-dire que t'as sorti tes dagues et tu te les as plantées dans les yeux, donc vas-y. Mais surtout, voilà, je suis censé me débrouiller dans la nature. Allez, Chine. Attention, c'est parti! C'est bon. 36. Ça va. Non, c'est bon. Là, c'est les épisodes du succès. Ouais, ça va, c'est moyen. Reste. Tu perçois donc ce que j'ai décrit tout à l'heure à Théo, mais en plus de ceci, tu remarques qu'il y a des formes en dessous. C'est-à-dire qu'au-dessus des arbres, il y a des mouvements, et ces mouvements sont dus à des bestioles plus grosses que la norme, plus grosses que les araignées que vous avez dû rencontrer jusqu'à maintenant. Ah, t'es sérieux? Il y en a une, deux, trois, une dizaine. Non, peut-être une quinzaine. Non, peut-être un peu plus même. On se casse. Moi, je serais d'avis parce que on a galéré contre les araignées, mais alors là. Je peux invoquer mon cheval et je peux en sauver deux d'entre nous, mais pas plus. Ou alors on pourrait dans la tour. Non, on pourrait courir vers la tour, barricader la porte, voilà, mur de flammes. C'est mieux. Oui. Bah, il faut qu'on se mine. Go. Allez. Quittez la Dépassez route vos Quittez la route Dépassez-vous par là. Dépassez vos tokens par là. Théo, tu ouvres la marche, tu fermes la marche, tu essaies de couvrir les arrières. J'ouvre la marche.
D'accord, normalement j'aurais dû faire un tour de table, commençant par Grand Lake. Donc Grand Lake, dis-moi. Ah, mais je laisse Théo en première position et je le suis. Je suis à la porte. Juste derrière, mais je reste aussi, je fais en sorte qu'Eden soit à mes côtés. Moi, je peux pas contre. Ah, c'est trop tard, oublie Eden. Il est foutu. Je suis à la porte, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? La porte, il... Théo la défonce. Il n'y a absolument pas de porte. Il y a la porte qui est au sol. What? Une trappe? Non, c'est quoi le... l'histoire? What? C'est quoi la blague? C'est un... Donc c'est une tour. Donc quand vous arrivez par ici, vous faites le tour. Je vous montre, pardon. Vous êtes obligé de faire le tour. L'entrée est située par ici. Quand tu arrives devant l'entrée, Théo... Tu vois donc qu'il n'y a pas de porte, la porte a été défoncée, la porte est au sol. Donc elle a été dégondée, la porte. Donc on peut rentrer, ça veut dire? Oui, voilà. Il faudrait ramasser la porte et la fixer. Si Bob, tu pourrais faire fondre les gonds, enfin le métal. Non, c'est pas une bonne idée, fixe-la avec ta glace. Quoi. Ouais, non, les gonds, ouais, t'as raison. Ah, je vais plutôt regarder si je peux pas faire quelque chose au niveau de la porte, si je peux pas réparer ça. On a plein de possibilités. Tu avais réussi le test. Shin, tu avais réussi le test? Oui. C'est ça? Ouais. Eh bien, 36. Tu remarques... Donc, de là où tu es, ceci. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, non. D'accord, c'est toujours des araignées, mais ouais, c'est les versions Goliath, quoi. Il faut qu'on rentre. On rentrera, on négociera après qui tiendra la porte et de comment on la tentera et quoi ça, on va rentrer. Rentre. Allez, tout le monde dedans. Tout le monde dedans. Allez, où? Tu rentres. D'abord, dites-moi l'ordre d'entrée dans la tour. Moi, en premier, du coup. D'accord. Mon deuxième. Ah, logiquement, j'étais en deuxième avec Eden, mais bon. Je rentre en dernier. La lâcheté me fait rentrer plus. Les deux derniers me font un test de discrétion, s'il vous plaît. Oh, pourquoi j'ai dit que je rentre en dernier? Techniquement, c'est Shin et Bragg. Très bien. Je vais faire un test pour Bragg. Oh, il va venir maintenant. Il va venir maintenant. Et voilà. Et voilà. Bon, ben. Non, ça va. C'est bon, ça va. C'est Bragg. Bragg, je rentre. Oui, c'est Bragg qui a marché sur un miel pop sans rentrant dans la porte. Ouais, c'est hyper dramatique. Il est en train de nous regarder, en train de tendre la main. Non, oh, s'il vous plaît. Shin a fait 32. Il a donc réussi son test, probablement. Et Bragg a fait 85. Donc. Voilà, il faut que ce soit le MJ qui rate les tests. C'est ça. Nous, on est tellement forts maintenant. Pour une fois, il y a une justice. On va le voir se faire dévorer devant nous comme ça. Appelez-vous de moi comme un bon intendant. Ça. Non, mais la discrétion. Tu passes Shin discrètement et il y a Bragg qui trébuche. qui trébuche à l'arrière, dos à une araignée. L'araignée se tourne vers l'intendant et commence à se diriger vers lui. On a l'intendant qui peut faire diversion. C'est le tour de qui? C'est vrai qu'on a le temps de refabriquer la porte, enfin de se faire un barrage. Autant qu'il se fasse bouffer. Bah, je vais ressortir pour aller le chercher. Très bien. Il y a Bragg qui se retourne vers l'araignée. Tu vois pas l'expression de son visage, mais probablement terrifié. Et tu sors tel un héros, pour une fois. Ce que je suis. Attends, on va voir si tu réussis ton jet. On verra si tu t'appelles un héros. Tu arrives, tu as l'araignée qui se tourne, donc pour l'instant il y a une seule araignée colossale donc, qui se dirige vers toi. Elle te remarque donc en train de t'interposer face à Bragg. Et tu me fais un test, s'il te plaît, de physique. Allez. 55, ça passe. 55. L'araignée, donc, elle se rue vers toi, elle s'approche vers toi, elle s'apprête à donner un coup de mandibule, et tu interposes ton épée, et tu fais des dégâts, donc tu n'es pas en posture offensive, tu es en posture défensive, tu me lances un dé de 10, s'il te plaît, de dégâts. 3. En même temps, c'est le but, c'est pas de la tuer, pour le coup, c'est juste... Tu l'as bloqué, quoi. C'est juste de donner du temps à Bragg pour qu'il recule, et en même temps, du coup... je vais reculer en gardant le bouclier face aux araignées. Il y a moyen que je balance une flèche de loin histoire de faciliter leur retraite. Non. Ed Grand Lake a relevé la porte déjà pour pouvoir la fermer dès qu'ils sont rentrés. Moi, je prépare le sort. Il y a toi et Grand Lake.
Donc il y a cette action d'opportunité qui a été gérée par Théo parce qu'il a pris le pas et l'initiative. Tour de table, donc Grunlec, toi en l'occurrence tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour soulever la porte. Surtout que tu as récupéré des PV, tu es relativement costaud. Donc même si tes bras sont un peu courts, tu peux porter la porte. Est-ce qu'elle est en suffisamment bon état? Est-ce qu'on peut en... Il y a l'un des gonds qui est explosé. Cela dit, l'idée tout à l'heure qui était suggérée de faire fondre les gonds sur la porte n'est pas mauvaise. Donc okay. Tu peux tenir la porte. D'accord, tu tiens la porte. Toi, de ton côté, tu essaies de la souder. Oui, si possible, mais pas avec un feu d'enfer, on va peut-être pas y aller. Cela dit, je vais pas casser votre délire, mais c'est une porte en bois et c'est des araignées de 560 kilos. Quoi, oui, mais donc, sitôt qu'elles feront... Elles sont peut-être polies, peut-être qu'elles vont frapper. Non, mais sitôt qu'elles feront un trou dedans, moi après, je mets le bout de la main ou le bout du bâton et je bourre, écoute, hein, et on espère que ça passe. Par contre, comment tu veux fondre le gond et pouvoir ouvrir, fermer la porte derrière? Non, mais justement, c'est pour ça qu'on attend. C'est pour ça que je te demandais d'attendre, de prendre la porte et d'attendre qu'il rentre pour pouvoir ensuite la mettre en place. C'est pour ça qu'il faut que soit Shin t'aide à mettre la porte, soit qu'il tire sa flèche, mais il faut que Théo puisse avoir son tour. Et donc après, on est enfermé dans cet endroit, avec cette porte qu'on ne peut plus vraiment ouvrir, et plein d'araignées à l'extérieur. On a un paladin avec nous, il suffit qu'il fasse un jet, il enfonce le mur. On est bon, il n'y a pas de souci. On a pris de la dans bouffe. Un premier. On a. Ah bon? On a récupéré tout le bordel qu'il on avait. On va pas faire un siège de 3 semaines. Agi. Théo, tu continues de protéger Bragg. Bragg se lève et se dépêche d'aller vers l'entrée de la tour. Pendant ce temps-là, Grunlec, toi, tu orientes la porte en direction des gonds. Bob, toi, tu... Prépare le sortilège de soudure, qui est donc un truc intermédiaire entre la génération de flammes... de nulle part, et le feu d'enfer, parce que le feu d'enfer... c'est peut-être dommage à l'intérieur de la salle. C'est peut-être un peu bourré, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que, honnêtement, si même en focus, je dépense un point de psy, ça devrait suffire pour chauffer suffisamment le gond pour le faire fondre. Ça, en clair, j'en dépense deux, mais avec un point de en moins à cause du focus. Tu le fais avec l'ongle, comme ça. Le bout du doigt replié, tu sais, l'inspecteur Gadget. Basiquement, c'est ça. Je sais que c'est utiliser un sortilège qui d'habitude n'existe pas dans mon inventaire, mais je propose un truc intermédiaire qui coûte la moitié. Parce que... Tu peux faire moins que les effets optimum de l'enfer sur Terre, mais tu devras dépenser autant en psy. Ah, bah écoute. C'est pour le contrôler de toute façon. Ah, entendu, bah écoute, il faut. Donc, tu génères cette flamme. Tu mais là, sens cette chaleur intense, Grunlec. Oui, voilà, ouais. Je le prépare pour le prochain tour, je le caste. Il faut que Théo soit rentré, d'accord. Sinon... Ah, et j'aurai le bonus d'augmentation. Théo, tu essuies l'attaque. Comme ça gratte. De... Ah oui, il faut avec moi. Il faut. Bob, tu prépares ton sort, et toi, Théo, de ton côté, tu essuies l'attaque de l'araignée qui bondit sur toi. Elle plante un crochet dans ton armure. Ton armure qui te protège de combien? C'est 5, mais j'ai le bouclier aussi. Si tu te fais re-empoisonner, franchement... Bah, ce serait moins grave, finalement. Oui, mais peut-être ça va m'immuniser à force. Il y a... Non, je crois pas. Et donc, l'attaque, elle vient râper ton armure, et elle la rattaque, et tu interposes ton bouclier, tu tombes dos au sol, elle insiste lourdement, et les bruits qu'elle produit attirent doucement l'attention des autres. De maman araignée, non? Oh mon dieu, j'ai mal! C'est pour le cause. Bragg rentre, Shin, que fais-tu? Ok, Théo est à terre ou comment? Il est dans quelle position? Il est dos au sol, il se protège, il pare les attaques avec son bouclier et il essaie de les repousser avec son épée. Ok, Shin, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux venir le récupérer, l'agripper par le dos et le tirer vers la tour? Tu peux buter l'araignée? Tu peux. Ouais, non, c'est ce que je pensais faire ça à la base, mais non, là, le mieux, c'est de le tirer à l'intérieur pour que tu condamnes la porte directement. Donc, lui faire économiser une action de déplacement. C'est ce que tu essaies de faire. Tu veux faire un test, s'il te plaît. Un test, donc, est-ce de que physique. Mon super saut, mais là, ça serait... Ouais, non. Le mec, il commence à voler se comme ça. Se plonge dans les araignées, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Et tu te cognes contre le sommet de la tour, t'es... Avec le bruit de marque. Je suis désolé, les gars. Je pensais que ça marcherait. D'accord. Ok, donc je fais quoi comme type de lancer? Fais-moi un test de physique pour récupérer Théo, et je t'en prie,
Je t'en supplie, fais-moi un échec critique. Là, ça commence à me peser lourdement. Ah, putain, c'est je vais tout donner. Je te promets. Pas le grand soir, ni à manger, ni à boire. 70, donc. Allez, tac. 31, mais c'est pas possible. C'est pas encore là. C'est pas encore là. À la Fire Emblem. Je suis presque dégoûté à force. Ah, mais c'est à la Fire Emblem. Tu le mets dans ton inventaire, en fait. Tu récupères Théo, tu l'aides à se relever alors qu'il essuie les attaques de l'araignée géante et il fait un pas en arrière, deux pas, et tu le tires vers toi. Tu passes donc Théo à l'intérieur de la tour pendant que l'araignée, elle, te poursuit. Cependant, trop lentement, étant donné que vous êtes deux à partir en arrière et à couvrir cette retraite. C'est à vous de jouer Grand Lake et Bob. C'est parti, dès qu'ils sont rentrés, tiens-toi prêt, Bob. Ah bah je caste, là ils ça sont faire... rentrés. Fais-moi un test de point. Mental. Mental. Bob. Moi ou Bob? Moi. Bob. You okay? Oh, tu tiens juste une porte, Grand Lake. Oui, ça sur ça. Ouh, alors là, les mecs, attention. C'est pas écartez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, je tu soude. Fais le ménage. Je soude. Mais tu es en focus en plus. Oui, je suis en focus, donc je soude avec les effets spéciaux. T'emmerdes, je fais ce que je peux avec le matos que j'ai, putain. Je bosse avec ces mecs, ça va rien dire. À la freezer, t'as avec une boîte. Voilà. Vous êtes à l'intérieur. Théo. Oui, t'es où? Ouais, c'est bon. Vous êtes à l'intérieur. Grand Lake, tu maintiens la porte. Il y a l'araignée derrière qui commence à frapper. Fais-moi un test de physique, s'il te plaît. Alors, physique 60%, focus 65%. Est-ce que... On va continuer notre série de réussites. C'est parti. 62 pour 65. Ça passe. On soude. Ça passe. On le soude, putain. C'est bon, dur. Ça. C'est dur, mais ça passe. C'est beau, ça, Grand Lake. Très bien. Donc, ce qui se produit, en effet, c'est que tu maintiens la porte. En assistance, en plus, derrière, il y a Théo, après avoir été tiré par Shin. Il se relève immédiatement et t'aide à maintenir la porte. Et pendant que lui, Bob, est en train de finir de faire fondre le gond, et que même avec sa petite force, Shin, lui, il maintient aussi la porte, vous entendez frapper, essayer de fracasser l'entrée derrière. Après quelques coups, il insiste, découragé, l'araignée se retourne et se déplace. Vous entendez des dizaines, une multitude de pas d'araignées se déplacer, lourdement, avec ses gabarits, se diriger vers là où vous vous déplacez, là où vous comptez vous rendre, vers la Cité des Merveilles. Vous entendez des pas contourner la tour, aller par-dessus, peut-être 10, 15, 20, une nuée d'araignées, partir vers votre destination.